vous avez un peu suivi avec la Ligue 1, on fait un custom collaboratif sur un ballon de la Ligue 1 justement. Et là je vous fais un petit condensé des trois dernières parties pour vous les montrer. Alors le dernier que vous avez vu c'était Dimitri Payet avec son bonnet de Noël puisque c'était pour Noël. Et ensuite celui qui était demandé c'était Juninho, très bon choix. On le rappelle, le meilleur tireur de coup franc de tous les temps, hein, c'est important de le rappeler. Alors pour le fond j'ai fait un dégradé de rose avec des rayons de lumière autour de lui pour le mettre en avant parce que c'est le GOAT. Et donc voilà le premier résultat pour Juninho. Bon ensuite bizarre comme enchaînement, le joueur qui a été choisi c'est Aubameyang mais à Saint-Etienne. Bah oui forcément c'est avec la Ligue 1 donc on le met là où il a joué en Ligue 1. Et sinon la photo elle est très stylée en mode Spider-Man avec son petit masque, mais dommage pour lui on verra pas son visage. Et du coup à Saint-Etienne ça correspond à sa période de 2011 à 2013. Je fais un dégradé de vert clair pour le fond pour aller avec les couleurs du maillot. Bon dommage pour le maillot mais sinon je trouve que la case elle rend bien, vous pouvez me dire ce que vous en pensez. Donc voilà le résultat pour Aubameyang. Et ensuite le joueur que vous avez choisi d'ajouter c'était Raphaël Léao. Donc c'est quand il joue à Lille, c'était la saison de 2018-2019 avant qu'il aille à l'AC Milan là où il joue encore aujourd'hui d'ailleurs. Pour le fond, j'ai fait un dégradé en jaune clair pour aller avec les couleurs du maillot et changer un peu à chaque fois. Si tu veux proposer des joueurs pour savoir lesquels on va ajouter dans les prochaines parties, ça se passe sur le compte TikTok de la Ligue 1, c'est là-bas que les vidéos sont postées. Sinon voilà le rendu pour Raphaël Léao.